Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la découverte que j'ai faite après de nombreuses recherches sur internet. J'ai finalement trouvé l'arme la plus polyvalente pour débuter Elden Ring en toute tranquillité. Avant, j'étais trop focalisé sur les katanas et les samouraïs, mais depuis que j'ai équipé cette arme, le jeu est presque devenu trop facile. Tout d'abord, cette arme est incroyablement polyvalente. Elle m'a permis de one-shot plein de boss depuis que je l'utilise, alors qu'avant, je mettais 2 à 3 tries alors que je connaissais les boss. Je précise que je ne suis pas en NG+, ça veut dire que je suis vraiment sur une partie toute fraîche. Tout ce que j'ai, c'est l'équipement de base du samouraï et cette arme qui est vraiment incroyable. On arrête le suspense, l'arme c'est tout simplement le croc du limier et pour l'avoir, il faut aller à la géole du limier esselé. C'est quasiment au début. Wouh ! Voilà ! Alors ? Croc du limier là ! Pour l'instant, j'ai mis tous mes points en dextérité et en force. Bah ouais, forcément, parce que je suis parti sur un build samouraï au début. J'ai quasiment 30 dans les deux stats principales, dextérité et force. Et je me concentre maintenant sur la vigueur et l'endurance afin de pouvoir encaisser un peu plus de coups et aussi frapper plus souvent. Je précise que je fais tout en live. Mon but est de finir le jeu complètement lors de ma première run. J'utilise Map Genie pour indiquer ce que je voulais faire, c'est-à-dire tous les boss, tous les donjons et tous les points importants du jeu. Et pour l'instant, j'ai accompli tout ça. Je précise que j'ai déjà fini Elden Ring, mais j'ai jamais fait de NG+, et que sur cette run en 2023, j'ai vraiment eu envie de faire ça proprement. Pour que tu comprennes bien l'impact de cette arme, je vais te partager ici quelques extraits de combat. Et j'insiste, j'ai vraiment que l'arme et mon équipement de samouraï. J'ai vaincu énormément de boss en un seul combat, alors que quand j'étais mage ou en katana, j'avais beaucoup plus de mal. Enfin, pour les débutants, j'ai une petite astuce pour gratter quelques niveaux sans trop mourir. Vous devez vous rendre à l'église qui se trouve juste ici. Ensuite, vous allez derrière, vous devez suivre la rivière et prendre le téléporteur. Ensuite, suivez le même chemin que moi. Full rune gratos, là. C'est là-bas, je crois. C'est là, non? Ouais, voilà, c'est là. On va aller chercher ce dragon là et comme ça on pourra prendre maximum de runes.
Attention, sur la route, il y a un ennemi assez puissant. Je vous déconseille de le faire parce qu'il risque de vous faire très mal. Ignorez-le, sinon vous avez de grandes chances de mourir. Une fois arrivé devant la queue du dragon, vous vous équipez d'un katana ou d'une arme capable de faire des saignements et vous vous attaquez à la queue du dragon. Ça va prendre un petit peu de temps, mais quand il va mourir, vous allez avoir 50 000 runes. N'hésitez pas à manger une pâte de poulet doré, ça vous permettra d'en avoir un peu plus. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous pourrez l'utiliser pour votre expérience personnelle. N'hésitez pas à la partager à vos amis ou à me donner vos propres astuces dans les commentaires pour que je puisse pourquoi pas les tester un jour en live. Merci d'avoir regardé et à la prochaine !